Et zut. Bon. J'avais bien fait de regarder pas loin. Une potion. Et on va aiguiser ceci. Voilà. Bon, on l'a déjà vu. Ton heure est venue. Ah, on l'a déjà en moins. Ah. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Touché. Exécution! Ah, il l'a pas décapité. Bonjour, monsieur. Je peux lui parler? Bonjour. Bravo. Quel massacre. Qui êtes-vous? Radovid. Écoutez, Radovid. Parlez-moi de vos relations avec la salamandre. Parce qu'un jour ou l'autre, nous serons face à face. Personne ne m'a parlé sur ce ton depuis longtemps. Vous me plaisez. Vous appuyez droit là où ça fait mal. Je vais vous dire qui je suis, et pas par crainte de vous. Je n'ai rien en commun avec la salamandre. J'ai autrefois envisagé de me servir d'eux, mais j'ai changé d'avis. Vous servir d'eux? Comme arme politique. Vous pouvez être plus clair? Disons que je réprouve les actions de la salamandre. Nous sommes donc alliés. Bonne chance, et bien le bonjour à Ada. Ok. Bon, j'ai rien compris. Ah, parce qu'en plus ils avaient des super épées aussi. C'est ça que je vais si mal. Des super épées, des super dagues. Et moi j'ai un équipement de merde. Oh, c'est quoi ça? Une clé? C'est pas plutôt un joyau, non? Oups, 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 oups. Ah, ah, c'est quoi ça? Un peu d'action. Beaucoup de jus de framboise. Waouh, ça valait le coup, dis donc. Plein de bagues. Ok, bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant?
Je vais montrer la pierre à Triss et à Le Varden. Pourquoi à Triss? En plus, elle est même pas chez elle. Je fais plus confiance à Triss, moi. Pourquoi je dois aller parler à Triss? Ça n'a aucun sens. En plus, ils couchent ensemble, donc... Aïe, qu'est-ce qui se passe encore? Le gars, il a un torticolis. Ouais, c'est ça, puis c'est un coup. Oula, un dragon? C'est Skyrim? Ah, t'as marché dans la pisse. Un loup-garou? Ah non, si. Oui, non, je sais pas. Le mec complètement bourré. Je m'en doutais qu'il allait tomber dans les pommes. Ok. Ça, c'était pas prévu au programme. Et ça serait pas le cochon de Le Varden parfois, non? Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Il joue à King Kong. Petit, 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 j'ai un autre pour toi. Viens me chercher. Aïe. Tout ça pour ça. Geralt. Vous me connaissez? C'est moi! C'est moi qui? C'est moi! Vincent, le capitaine! Ah bon? Ça explique pourquoi vous disparaissez la nuit. Je vous couvrais! Ces imbéciles ne sont même pas sortis des égouts! Vous attendez des remerciements? Dites-moi juste ce que vous avez appris. J'aime bien les loups-garous, je vais laisser tranquille. Radovid a discuté avec les membres de la salamandre grâce à une téléprojection. Le roi de Redani? Un sacré soutien! Non, il a refusé. Mais ils ont des amis communs. Rien d'autre? Pas grand-chose. Un onos? Nous sommes dans le même camp! Pourquoi est-ce que je devrais vous épargner? Pourquoi devrais-je vous épargner? Et pourquoi pas? Vous assassinez des humains. Combien ont péri par votre glaive? À l'intérieur, je ne suis pas un monstre. Alors que vous... Ouais, ok. C'est vrai. Au diable les apparences. Merci. Allons chacun de notre côté. J'ai pas envie trop de me taper un loup-garou non plus, quoi. Ah, c'est bien, les loups-garous disparaissent. Ah, ça fait toujours partie de la quête de l'identité. Bah non, les monstres, tous les monstres doivent pas être tués, surtout les loups-garous, ils sont sympas.
Du coup, je sais pas où je suis, donc... c'est le garde qui veut m'attaquer? Attends, je suis bloqué, là. Il y a pas de sortie! Attends, c'est quoi ce délire? Y a pas de sortie. Là c'est bloqué. Ah, peut-être en passant par là. Entre du loup-garou. Ah bon. C'est rassurant. Je n'aime pas ça. Je ferais mieux d'inspecter la cave. La planque de Vincent le loup-garou. Il s'est pris pour un super-héros. Il y avait Batman, maintenant il y a Wolfman. Ah ok, donc je dois rentrer par l'entrée des égouts. Ok. Bon. À peine arrivé, je me fais déjà assurer. Bon, où est-ce que je suis? Là. Ok. Alors, ça devient de plus en plus compliqué cette histoire. Et ça, l'histoire elle est intéressante, mais c'est la mécanique du jeu qui est ultra lourde. Pourquoi ils ont pas fait comme la plupart des jeux maintenant, un truc où tu peux te téléporter automatiquement? Ça irait quand même plus vite. Je sais que c'était la mode à l'époque, mais... quand c'est bien fait, pas quand tu es obligé de faire 20 fois le même aller-retour. Mais t'es qui, toi? Ose défier la salamandre. Ben c'est toi qui viens m'agresser. Oula, qu'est-ce que c'est encore que... c'est quoi ces bestioles qui sortent de nulle part? Ah, c'est ça les Kiki morts. Kiki mort, eh ben c'est elle. Et Kiki est mort, eh ben c'est elle aussi. Et donc apparemment les Kiki morts travaillent pour la salamandre. En plus ça donne rien, ça sert à rien. Allez, on se fait encore agresser. Regarde, chaque fois que je me fais attaquer par un truc de la salamandre, il y a une Kiki mort qui apparaît. Oh, il a tué le mec. T'as bien fini, il commence à me taper sur les nerfs. Bon, les prochains points d'argent, je sais où ils vont. Qui est mort? Eh ben c'est toi. Les trucs de salamandre, je crois que ça sert à rien que je les récolte. Oui, c'est ça. Le mec qui vient de voir un gars se faire tuer par une Kiki mort et tout ce qu'il a trouvé à dire c'est « Mais quel temps pourri !» Bien sûr.
Comme par hasard, Triss veut être avec le Varden. Même pas. Alors, je vais d'abord sauvegarder. Oui. J'ai trouvé une pierre magique dans le repère de la salamandre. Montrez-la, Triss. C'est davantage son registre. Je pensais... Dans le domaine de la magie, je suis un béotien. Même dans les autres domaines. Moi, je veux bien, mais elle est où? Elle est pas chez elle, elle est pas ici. Ah. La magicienne Triss Mirigan. Ah, ben t'es là, toi. Il compte que... Sarceleur. Quand même mignore. J'ai trouvé une pierre magique sur un membre de la salamandre. Montre-la-moi. Un transmetteur. Il conserve une trace de toutes les communications. Et en français, ça donne quoi? Il nous aidera à localiser le repère de la salamandre. Donc? Reviens plus tard. J'ai du nouveau sur la salamandre. De bonnes nouvelles, j'espère. Hélas, non. Son influence remonte plus haut que nous ne l'imaginions. Et vous avez une affaire à me proposer. Pourquoi ce ton sarcastique? La salamandre a de puissants appuis politiques. Nous n'avons réussi à convaincre ni la mairie, ni l'armée de s'attaquer à elle. Comment est-ce possible? Je redoute que ce ne soit lié aux récents édits litigieux. Qu'allez-vous faire? Il nous faut du soutien, une unité de l'armée ou un groupe similaire. Et en quoi cela me concerne? J'ai un loup-garou, est-ce que ça vous intéresse? Avec nos éventuels alliés. À qui pensez-vous? La salamandre a froissé quelques susceptibilités de la Scoétel à l'ordre de la Rose Ardente. Mais je veux... Je veux avoir affaire avec aucun des deux. Ils m'énervent tous les deux. Vous êtes fou. Vous êtes fou, le Varden. Non. Il n'y a qu'une seule solution durable à ce problème. Si vous réussissez, nous les rencontrerons ici. Oh non. Attends, il est passé où, Triss? Elle était là il y a 2 secondes. Ah, Triss, viens ici. J'ai besoin d'un peu de temps. Reviens plus tard. Mais je veux pas rallier ni les elfes ni les autres. Ils m'énervent tous les deux. Mon Dieu. Quel choix de Cornélie, hein. M'allier à des saletés d'elfes ou à un orc qui me pompe mon travail? Chacun sait que les sorcières sont stériles. Et les sorceleurs aussi. Hein. Qu'est-ce qui est le moins embêtant pour moi? Des mecs qui me pompent mon travail et mon flouze? Ou des elfes qui servent à rien? Avec des nains.